Ali Faïk, je suis un artiste d'Agadir, un membre du groupe Amérique Experience. Le projet sur lequel je travaille ces dernières années, c'est le patrimoine, la valorisation des patrimoines des Rouaïs. J'ai fait une petite recherche sur un répertoire qui est très ancien et qui était trouvé à la Bibliothèque nationale de France. Donc j'essaye de faire la promotion à ce répertoire qui est inexploré et qui est méconnu même des professionnels rouaïs. Ça, c'est parmi les traces les plus anciennes de notre musique. Parce que ce répertoire ne comporte pas seulement les rouaïs, il y a aussi le chaabi, il y a la musique des juifs marocains à cette époque, il y a la musique des chirac. Si on reste toujours dans ses limites, d'une façon imitation, je crois qu'il y aura un patrimoine figé qui ne sera pas reproduit par les autres. Donc moi, j'ai essayé de rendre au goût du jour ce répertoire. Et j'ai essayé aussi de mélanger entre les générations, c'est-à-dire j'ai mis les générations des Rouaïs eux-mêmes qui sont très âgés, et j'ai mis des jeunes qui jouent leur musique actuelle contemporaine avec leurs instruments, batterie, basse, guitare. Le projet est maintenant, j'ai réalisé le volume 1 de l'album qui s'appelle Isktitn. J'ai mis 5 chansons. C'est juste le début d'un projet. Par exemple, j'ai mis une chanson dont la mélodie est très ancienne, mais il n'est sur aucun support. Et moi, j'ai essayé de prendre cette chanson et d'y mettre un texte qu'on garde encore ces mélodies anciennes. Et déjà, le premier pas est réalisé. Donc, volume 1 des musiciens connaissent ses noms et ses mélodies et ses textes. Donc c'est juste une initiative pour dire aux gens que ce que nous devons faire pour notre patrimoine. Je cherche toujours les anciennes chansons. Et par coïncidence, j'ai trouvé une chanson. À travers cette chanson, je me mets à rechercher d'autres chansons. Donc vraiment, c'est mon jour de bonheur. Je cherche dans les mémoires des gens comme ça, mais j'ai jamais dit dans ma tête qu'un jour je vais trouver des noms que je ne connais pas et des rêves que je ne trouve pas et aussi des mélodies que je ne connais pas. Donc j'ai de la chance, c'est pour cela que je dois travailler. La musique crée des liens entre les gens. C'est un moyen de rapprocher les cultures, de rapprocher des peuples qui sont tout à fait différents. Et aussi, c'est un moyen de faire éduquer aux jeunes les différences. C'est-à-dire, si je respecte les différences des autres, si je respecte les cultures et les religions et les spécificités des autres cultures, je suis sûr que la mienne aussi sera respectée. Il y a des gens qui essaient de diviser les peuples et les gens, nous, les musiciens et les artistes, il faut toujours avoir cet objectif d'essayer de les rapprocher. Et l'autre est